J'étais auparavant responsable d'un secteur de production. Je me posais des questions sur aussi bien des succès ou des difficultés dans les démarches de sécurité. Je voyais que des accidents montraient l'intervention de facteurs humains divers et variés que j'avais du mal à cerner. Et voilà pourquoi je me suis dit, allons chercher quelques apports fondamentaux auprès de spécialistes. Tous les échanges qu'on a pu avoir entre les participants de différentes industries, de différentes entreprises, et les experts conviés à nous exposer des fondamentaux, aussi bien en termes de méthode, mais aussi d'études de cas. Et rapidement, ça m'a permis d'avoir une autre lecture de mon expérience de manager de secteur de production. Et il s'est trouvé que, à la direction groupe, puisqu'avant j'étais dans une branche, la branche raffinage chimie, à la direction groupe, il y a une opportunité qui s'est ouverte. Et aussi bien la personne qui occupait mon poste précédemment que ma hiérarchie de l'époque a trouvé logique compte tenu de la formation que j'avais réalisée. Et puis le travail, notamment le mémoire, qui a eu sa petite publicité en interne, a fait qu'ils m'ont proposé ce poste de coordination de culture sécurité au niveau groupe. Donc en fait, ça a été une très bonne nouvelle, aller à 6 mois après le master spécialisé. À la sortie du master spécialisé sur le plan humain, ça a été vraiment l'éclat total, dans la mesure où on est resté en contact avec les collègues de la promotion et on était tous issus et on l'est encore d'ailleurs, d'entreprises complètement différentes et on n'aurait pas eu l'occasion de se rencontrer, même à travers des groupes d'échange externes. Et on reste toujours en contact. Ça a créé des liens qui sont au-delà du professionnel d'ailleurs. Évidemment, ça nous permet d'échanger dans le domaine de la sécurité, mais de façon plus large. Ça a été une vraie expérience humaine où, à travers les études de cas qui nous sont demandées, à travers les réflexions que l'on aborde dans le cadre du master, on a un travail à fournir et ça nous rassemble. Et puis, bon, c'est un master spécialisé, donc on a des devoirs à fournir avec des rythmes de plus en plus soutenus. Et puis, ben, ça crée des liens. Et OK, il y a un sentiment étrange au début, c'est de se replonger dans les études, tel qu'un master spécialisé le comporte. Et puis finalement, ça permet de certes se replonger dans des méthodes qui peuvent paraître un peu décalées par rapport au quotidien plus opérationnel de notre métier. Mais on les partage avec les collègues et ça nous apporte une structure pour justement partager. Et ça, c'est très bon.